pour deux raisons. Ils achètent plus et ils réachètent plus. Ils achètent plus parce qu'en moyenne, ils achètent 3,8 achats dans les 90 derniers jours, quand on regarde les études, basées sur les données Criteo. Alors que pour un client qui est magasin seul, c'est en moyenne 2,2 achats. Et pour un client qui est web seul, 2,7. Et puis en plus, ils reviennent plus souvent. En moyenne, un client omnicanal a un taux de réachat de 11%. Alors que pour un client qui est magasin seul et qui n'est pas passé sur le site web précédemment, eh bien c'est 7%. C'est plus 51% de réachat quand on est un client omnicanal. Et c'est pour ça que c'est évidemment le Graal pour les commerçants. Criteo va identifier et aider les commerçants à identifier, grâce à leurs données CRM ou first party data, identifier leurs clients web only, leurs clients store only, afin de les amener pour les clients magasins sur le web et faire du store to web, et les clients web les amener dans le magasin, donc web to store. Le fait de les identifier, d'activer ces données propriétaires, ces données CRM qui ont énormément de valeur, eh bien, va pouvoir permettre d'augmenter le nombre de clients omnicanaux. Et on le sait, une fois qu'un client devient omnicanal, il achète plus de produits et il réachète, il revient plus souvent, il est plus fidèle. C'est le Graal pour les commerçants et ça augmente évidemment leur profitabilité.